Bonjour, bienvenue au sein du Golden Promise Whisky Bar. Je m'appelle Salvatore Manino, je travaille pour la Maison du Whisky et j'ai l'honneur d'officier dans cette place qui justement recouvre beaucoup de bouteilles mythiques et légendaires. Ça tombe bien puisque je vais vous parler de trois légendes aujourd'hui dans cette petite masterclass. Alors je vais vous balader un peu dans trois coins de l'Écosse, hein, puisque on va traverser le mainland écossais en passant par un archipel lointain qui fait rêver, puisque ce sera les Orcades. Donc c'est d'ailleurs là qu'on va commencer notre voyage. Et puis on transitera par le Speyside pour enfin finir sur le sud-ouest de l'Écosse avec la presqu'île du Mull of Kintyre, à Campbelltown plus précisément. Voilà, c'est parti pour cette dégustation. Alors, la première bouteille dont je vais vous parler est Highland Park, la première distillerie. Alors là, on est quand même sur quelque chose de vénérable, puisque alors, ce n'est pas la bouteille d'Highland Park qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais là, nous sommes sur un whisky de 20 ans qui a été distillé en 1959 et qui a été embouteillé en 79. Voilà, ça fait déjà plus de 40 ans que ce nectar existe. On reconnaît la petite bandelette pour le marché italien, je ne me lasserai jamais de le répéter, mais c'était quand même là que les choses se passaient en termes de consommation de whisky écossais à cette époque. Et Highland Park, alors c'est une distillerie qui, je vous disais, a gagné sans mal ses galons de légende parce que déjà aujourd'hui en Écosse, c'est l'une des très rares, hein, elles sont quatre à avoir vu le jour à la fin du 19e siècle. Hein, la plupart des distilleries, la grande majorité même, ont vu le jour tout au long du 19e siècle. Mais là, on est à la fin du 18e siècle. Hein, c'est l'une des quatre distilleries, Highland Park, 1798 pour être précis. Et là, c'est marrant parce que on attribue la création de la distillerie à un certain Magnus Hansson. Alors Magnus Hansson, c'est un personnage haut en couleur. C'était en fait un homme d'église. Il prêchait la bonne parole dans son église, justement, là-bas sur les Orcades. Et en fait, il distillait la nuit. D'ailleurs, on raconte même qu'il cachait son stock de whisky sous le pupitre où il avait l'habitude de faire ses prêches à la paroisse. Et donc, il distillait et on raconte qu'un jour, alors donc on soupçonnait bien qu'il y avait de la distillation clandestine dans ces îles-là, hein, c'est très très loin. Alors, vous imaginez pour les gens des Assises qui venaient du sud de l'Écosse, voire de Londres, c'était le bout du monde. Et un jour, débarquent ces contrôleurs de la couronne, eh bien, tout de suite, vite fait, pour ne pas être pris sur le fait, Magnus Hansson a l'idée de faire venir dans une maison où il avait ses fûts des pleureuses. Ils y ont installé à la hâte un cercueil, un linceul par-dessus, et quand les agents des Assises sont arrivés sur place, eh bien, ils ont découvert quoi? Ils ont trouvé une veillée funèbre avec des pleureuses et donc une grande bâche qui recouvrait un cercueil, mais il ne fallait pas investiguer plus loin puisqu'en dessous, on était sur des fûts de whisky quand même. Et pour être sûr qu'ils n'allaient pas mettre que ces agents-là n'allaient pas devenir trop curieux, eh bien, à un moment donné, dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui a juste chuchoté le mot « c'est la variole, c'est la variole ». Et là, il paraît que les agents des Assises ont pris les jambes à leur cou, ne voulaient pas être contaminés. Et c'est ainsi que Magnus a sauvé sa peau. Alors, pas pour très longtemps, parce qu'en fait, il a été arrêté. Et c'est assez là encore, cocasse, parce que la personne qui l'a arrêté, en fait, 20 ans après, est devenue le propriétaire, le manager de la distillerie de Highland Park. Donc vous voyez, finalement, hein, tout le monde y trouve son compte. Voilà pour la petite histoire. Alors, il faut savoir que la clandestinité, elle était à cette époque-là, hein, et tout au long du 19e siècle, chose commune en Écosse, mais tout là-haut, aux Orcades, c'était vraiment une bonne cache, parce qu'il fallait y aller, et surtout, on était sur un point de transit, hein, figurez-vous la carte, mais en fait, tous les marins qui passaient sur le côté de la Scandinavie et qui naviguait pour aller sur l'océan Atlantique ou le chemin inverse, s'arrêtait aux Orcades et souvent achetait du whisky ou le troquait contre d'autres denrées locales. Donc c'était le commerce clandestin était plutôt foisonnant. Voilà. Highland Park est aussi l'une des rares distilleries aujourd'hui encore à avoir sa propre aire de maltage. Hein, on malte l'orge donc en cours de germination manuellement.
Alors attention, ils répondent à 20% de leurs besoins, hein, c'est pas 100%, mais il faut le remarquer. Et puis, ils vont aussi tourber le séchage à la tourbe. Alors, la tourbe locale, qui est principalement faite de bruyère, hein, si vous avez été aux Orcades, si je vous invite à y aller, c'est très très beau, on dirait que le temps s'est arrêté là-bas. Eh bien, vous verrez qu'il n'y a pas d'arbres, il y a toujours un vent force 10, et donc les arbres ont du mal à pousser. Ce qui fait que même la configuration de la végétation est différente et la tourbe va être essentiellement marquée par la bruyère. D'ailleurs, les amateurs d'Highland Park vont reconnaître leur whisky préféré justement à ces arômes, ces subtils arômes de bruyère. Et la tourbe était tellement réputée qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, eh bien, des distilleries comme Glenmorangie ou des distilleries comme Glenvor dans les Highlands près d'Inverness, eh bien, ramenaient de la tourbe des Orcades pour pouvoir sécher leur orge avec ce combustible. Donc c'est dire la renommée et le parfum que pouvait conférer cette tourbe. Que dire de plus ? Eh bien, qu'on est quand même sur une distillerie qui ne gamberge pas sur l'utilisation des fûts de chérie. Hein. D'ailleurs, là, vous pouvez le voir à la couleur, hein, vous le verrez au goût aussi. On est sur quelque chose qui va être assez marqué par le chérie. C'est vraiment notable. C'est là encore une des rares maisons qui focalise là-dessus. Et je terminerai cette présentation par une dernière anecdote. Les Orcades n'ont pas toujours été écossaises, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire. Au Moyen-Âge, en fait, c'est le roi du Danemark qui a donné sa fille en épouse, c'était souvent comme ça qu'on réglait les comptes, en fait, au roi d'Écosse de l'époque. Et en fait, le Danemark avait une dette, une énorme dette, et pour se réquitter, eh bien, le roi a donc marié sa fille et en dot a apporté les îles Orcades. C'est comme ça qu'elles ont intégré le royaume écossais. Alors quand vous allez là-bas, ne dites pas aux habitants qu'ils sont écossais. Hein. Eux-mêmes se revendiquent orcadiens. Mais il faut savoir que dans cette clause, on va dire, de cession, il y a une clause de rétrocession. Et ça m'a été rapporté par l'un des anciens ouvriers de la distillerie. C'est que demain, l'Écosse retrouve son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Eh bien, il y a une clause qui se met en place et les Orcades sont censées être restituées au Danemark. Vous imaginez, tout d'un coup, le Danemark se verrait affublé de l'une des plus anciennes distilleries européennes qui soit. Voilà, on conclut sur cette petite note historique, et puis j'espère que vous apprécierez. Bonne dégustation. Alors, on va poursuivre cette dégustation avec un autre nom légendaire du whisky écossais, du single malt, il s'agit de Macallan. Alors, ça, je pense que tout le monde connaît. On est sur un embouteillage plus récent hein, par rapport au Highland Park, on est sur les années 2000. Alors, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant sur cette petite masterclass, c'est qu'on va évoquer trois décennies qui sont représentatives, révélatrices de l'évolution aussi de l'industrie du whisky. Vous verrez. Alors, donc là, année 2000, bouteille d'un litre, brute de fût. C'est pas commun. En fait, c'était souvent réservé d'ailleurs pour le marché du duty free, hein, aéroportuaire. Et vous verrez que ça donne aussi une toute autre dimension au whisky. Cette belle couleur ambrée qui fait référence au vieillissement en fût de chéri, qui a donné aussi ses lettres de noblesse à Macallan. Hein. Les deux sont intrinsèquement liés. Et aujourd'hui, si on parle encore, puisque ça fait longtemps qu'on a affublé la distillerie du nom de Rolls-Royce, du whisky, bah c'est grâce aussi à cette belle fusion entre le vieillissement en fût de chéri et le distillat de Macallan. Alors, la distillerie s'est pas toujours appelée Macallan. Hein. Lorsqu'elle a été fondée en 1824, on parlait de Elkies, qui est en fait le domaine où la distillerie a été construite. Et puis, il faut attendre la fin du 19e siècle pour avoir le nom Macallan Glenlivet. Alors, la particule Glenlivet avec un trait d'union, elle indiquait que voilà, on était dans la région voisin de la distillerie Glenlivet qui était elle aussi très 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 connue déjà depuis très longtemps. C'était un peu une sorte de gage de qualité. Et puis surtout il faut attendre la deuxième moitié du 20e siècle pour avoir en fait le nom, l'appellation sur l'étiquette de Macallan. Alors je vais revenir, excusez-moi, je peux paraître comme ça redondant, mais sur le marché italien, parce qu'il faut savoir quand même que sur les années 70-80, c'était le marché le plus dynamique et que Macallan y a vraiment percé grâce à deux importateurs successifs, notamment Rinaldi, la famille Rinaldi, et Giovinetti et fils, qui ont vraiment très très œuvré à la popularité transalpine du whisky. Macallan faisait même des versions de 7 ans et de 8 ans, très jeunes, qui recherchaient toujours la fraîcheur hein, en Italie sur les maltes. Et c'est probablement de là, moi je pense en Europe, qu'est parti le rayonnement de Macallan, enfin sans parler du Royaume-Uni bien sûr, mais qu'est parti le rayonnement de Macallan.
Et pour preuve, en 2018, en fait, la distillerie a fermé parce qu'on a construit une nouvelle, pas très loin, hein, mais qui est énorme. Hein, c'est vraiment une très grosse unité de production qui a été d'ailleurs qui est assez moderne puisqu'elle a été intégrée, on va dire, dans la nature. On a l'impression en fait que la distillerie se trouve sous des collines. Ce sont des collines évidemment artificielles et on a augmenté la capacité. Et ça, c'est la preuve la plus évidente quand même que Macallan reste encore pour beaucoup la Rolls du whisky et sa réputation, ça fait longtemps qu'elle n'est plus à refaire. Donc, tous les épithètes pour être une légende. J'espère que vous apprécierez cet embouteillage comme moi, je l'ai apprécié. Bonne dégustation. Alors, on va terminer cette petite académie avec un autre monstre sacré du single malt écossais, Springbuck. Là aussi, a-t-il besoin de revendiquer, enfin de prouver que c'est une légende en soi? Springbuck est particulier à plus d'un titre. Alors là, on est dans un bouteillage des années 90, hein, il s'agit d'un 21 ans. Moi j'adore, on est vraiment sur les marqueurs de Springbuck, ce côté cireux, un côté épicé, un petit côté salin, une très très subtile tourbe. C'est un Campbelltown. Campbelltown, je vous disais que je vous baladais un peu partout en Écosse. Campbelltown, il faut savoir quand même que c'est le Mull of Kintyre. Au plus fort de l'activité de l'industrie du whisky, on comptait quand même, Campbelltown avait passé plus d'une trentaine de distilleries hein, sur ce petit espace. Et à la fin du 19e, d'ailleurs, c'est simple, l'industrie du whisky était si florissante qu'on disait que le revenu par tête était le plus important de tout le Royaume-Uni. Hein. C'est vous dire, il y avait au plus fort, oui, plus d'une trentaine de distilleries. Alors, après, évidemment, il y a eu la crise pour plusieurs raisons, comme souvent d'ailleurs avec ce qui s'est passé dans le monde, à savoir d'une part la Première Guerre mondiale, à savoir le charbon, alors qu'il y avait d'importantes mines de charbon, le charbon qui a commencé à manquer, pénurie, et puis la prohibition, évidemment. Et puis quelque chose, c'est qu'un peu victime de son succès. À un moment donné, le whisky était tellement populaire, il était populaire à travers toute l'Écosse, que pour le transporter, on manquait de fûts. Et qu'ont fait certains distributeurs indélicats? Eh bien, bon, on est sur un port de pêche aussi. Hein, on pêche, eh bien, on a utilisé des fûts qui, avant, avaient logé de la souricerie. C'est-à-dire, imaginez, on met du hareng avec du gros sel. Eh bien, on a vidé tout cela pour pouvoir mettre le whisky, pour pouvoir le transporter et le vendre à la suite. Je vous laisse imaginer quel goût pouvait avoir le whisky issu de ces fûts, et ça a été un peu aussi, à partir de là, ça a effrayé les gens, ils disaient, mais c'est quoi, c'est ça maintenant, le whisky de Campbelltown, donc ça a participé aussi un peu à ce déclin. Pour le coup, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il ne restait plus que deux distilleries qui ont survécu, et Springbuck est l'une d'entre elles avec Glen Scotia. L'autre chose qu'on peut attribuer à Springbuck, c'est que c'est aujourd'hui encore la seule distillerie qui appartient depuis si longtemps à la même famille, la famille Mitchell. Là, on est aux années 1820 et on est toujours sur les héritiers de la famille Mitchell. C'est une distillerie qui fonctionne encore à l'ancienne, elle n'est pas très grande. Les alambics sont chauffés à flamme nue. D'ailleurs, elle a encore une caractéristique, l'alambic de première distillation, ce qu'on appelle le wash still, est le seul en Écosse qui fonctionne avec deux sources de chaleur, à savoir la flamme directe, mais aussi les condenseurs à vapeur. Ça, c'est assez unique pour le signaler. On est sur une aire de maltage, je vous en parlais pour Island Park. Eh bien, à Springbuck, 100% du malt qu'on va utiliser à la distillerie est malté manuellement sur place. On va utiliser des orges locales, sans parler de la tourbe. Bref, c'est vraiment une distillerie, elle n'a pas vraiment bougé. C'est ce qui se faisait encore jusqu'à l'aube du XXe siècle en Écosse. Et puis, il y a une chose aussi, avec la crise du whisky, ce qu'on appelait le whisky lock dans les années 80, vous savez que les distilleries travaillaient essentiellement pour fournir les maisons de blend. Eh bien, quand l'industrie du whisky s'est cassée la figure parce qu'on buvait moins de blend, on va dire, c'est le blend qui éternue et c'est la distillerie qui va s'enrhumer, eh bien, Springbuck, du coup, s'est juré de ne plus dépendre des assembleurs. Et en fait, à partir de la fin des années 80, je crois que c'est 1989, ils ont vraiment focalisé sur une production quasi total de single malt. Voilà. Et ça aussi, eh bien, c'est assez remarquable et atypique pour vous signaler.
Donc voilà, tous les éléments étaient en place pour faire de cette distillerie une distillerie légendaire. C'est avec cela que se conclut cette belle petite académie et j'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi. Bonne dégustation !